met plezier dat ik jullie verwelkom in deze plechtige omgeving van het Egmond Paleis op de conferentie School 2.0 en Wereldburgerschap, een creatieve ontmoeting. École 2.0 et citoyenneté mondiale, une rencontre créative. Pour nous, c'était important d'organiser cet événement aujourd'hui parce qu'on voulait se faire rencontrer les préoccupations aussi bien de l'école numérique que de l'éducation à la citoyenneté mondiale, parce que finalement les préoccupations sont les mêmes, dans la mesure où en tant qu'acteur d'éducation à la citoyenneté mondiale, on amène du contenu dans les classes et dans cette classe qui est en train de changer. Donc on a vraiment essayé de faire un programme le plus complet et divers possible. Donc voilà, on espère que ça a rencontré les attentes de tout le monde, que ça a permis des rencontres qui ne se feraient pas autrement, et que bah voilà, chacun va rentrer chez lui avec plein d'idées et plein d'outils à tester, à expérimenter, à faire avancer. Alors on est ici aujourd'hui pour un retour d'expérience sur un espace numérique de travail qui s'appelle Menteos. Le gouvernement de la région wallonne et de la communauté française ont mis en place un plan d'équipement, un projet pilote qui s'appelle École numérique. Il y a 72 écoles qui sont rentrées dans ce plan pour 1 million d'euros. Et elles vont tester pendant un an divers produits, tablettes, outils, dont Menteos dont je vous parlais avant. Et les plateformes numériques sont une des composantes de l'école numérique en général. Il n'y a pas que le matériel, il y a aussi l'hébergement du contenu. Et le but ici était vraiment de montrer que ceux qui existent ont une forte valeur ajoutée en termes pédagogiques. L'idée est, avant de faire un plus grand plan d'équipement, alors qu'il sera réellement régional, c'est de tester divers équipements vraiment en situation, témoin, dans les disciplines, dans les écoles, et de vraiment créer un catalogue d'usages qui est cohérent. Met Digital Storytelling maakten wij eigenlijk korte multimedia montages, of leerden wij jongeren om die te maken. Waarbij ze eigenlijk hun eigen migratiegeschiedenis via foto's en hun eigen stem vertelden. Het project hebben wij in scholen in alle uithoeken van Vlaanderen gebracht en dat heeft een heel groot succes gehad. Zo groot dat wij het zelfs vorig jaar hebben doorgegeven aan andere organisaties. Dans le monde, c'est une proposition éducative télématique qui combine l'activité en classe avec l'activité dans le cyberespace. Alors, il y a des élèves de partout le monde et ils travaillent sur l'injustice alimentaire. Ça m'a apporté, c'est vraiment vouloir comprendre comment on pouvait utiliser les nouvelles technologies pour faire comprendre aux enfants les défis de demain. Il y a un décret citoyenneté qui date de 2007 et qu'on veut absolument remettre en valeur et mettre en valeur dans les classes. Quoi. Voilà. Donc ça fait partie de l'information nécessaire pour faire évoluer ce décret de citoyenneté. Twee jaar geleden ben ik in het project gestapt Digitale werkvormen van kleur bekennen. En daar heeft men de vraag gesteld om een project op poten te zetten in de klas. En dan ben ik daarover gaan nadenken. En omdat wij ons ieder jaar engageren met school voor de acties van Good Planet. Dat zijn heel laagdrempelige acties voor jongeren. En de eerstkomende actie die eraan kwam was water, het thema water. En dan hebben we besloten om rond het thema water iets op poten te zetten. Daar bestaat al redelijk wat rond, maar dat was nogal uitgebreid. En ook voor de leerkrachten die eraan meewerkten, was dat nogal veel.
heel tijdrovend in de klas. En dan hebben we zelf iets in elkaar gestoken wat we wel zagen zitten. En daar hebben we een week rond gewerkt. Waarom is dat belangrijk? Ik denk sowieso, als we in deze maatschappij leven, ik denk dat we allemaal wel weten, als we tv kijken en als we de mensen horen roepen op de klimaatconferenties, dat het hoog tijd is dat we aan de bel trekken. Over hoe wij ICT-coördinatoren in de Brusselse Nederlandstalige scholen proberen beter te betrekken bij wat er in de onderwijspraktijk gebeurt. Want zij moeten de scholen technisch komen ondersteunen, in elk geval technisch, soms ook didactisch. Maar eigenlijk weten zij niet goed wat dat de taken van de leerkrachten zijn. En bij gevolg hebben wij geprobeerd als ondersteuningscentrum om een vorming te maken waar dat zij ook een beetje op de hoogte zijn van wat leerkrachten moeten doen. In de scholen. Mais étant une ONG, on a des projets dans le sud. C'est un outil qui peut aider également par rapport à des contacts ou une découverte aussi du monde. C'est une ouverture vraiment au monde plus large. Ça leur permet d'atteindre des pays qui sont loin. C'est un outil aussi qui est de plus en plus utilisé, que les enfants commencent à utiliser très jeunes. Et de surcroît, la tablette, c'est le couteau suisse de l'éducation. Ça, avec ça, vous prenez des photos. Enfin, je n'ai pas le temps de faire ici toute une conf sur tout ce que l'on peut faire avec la tablette. Donc moi, comme formateur en éducation aux médias, j'aime pouvoir toucher comme ça, de façon concrète, ce que font des gens très précisément avec des apprenants, des gens qu'on a accompagnés dans le cadre d'une réflexion, mais qui doivent passer à la pratique. Et ça, c'est fort important. Parce que... On a beau dire, avec l'âge qu'on a et avec le cadre d'intervention dans lequel on est, on doit malgré tout clairement rejoindre des jeunes qui sont dans une pratique qui est tout à fait nouvelle et qui, en matière d'apprentissage, réclame que nous utilisions les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Wat ik daaruit heb geleerd, dat is dat we veel meer moeten investeren in die nieuwe media, in nieuwe technologieën. Omdat jongeren daarmee bezig zijn, dus daar moeten we veel sterker op inzetten. En dan de tweede workshop, dat was vooral hoe dat jongeren linken kunnen leggen naar het zuiden, onder andere door gebruik te maken van ICT. En dat was zeer inspirerend in die zin dat die school, was een Nederlandse school, enorm veel nadruk legde op competentieverwerving. Vooral belangrijk dat we vandaag een zo breed mogelijk aanbod aan sessies, aan ideeën, aan ervaringen meegaven aan de mensen. En wij hopen eigenlijk dat ze vanavond naar huis gaan en in hun praktijk gaan experimenteren. En het verhaal dat ze hier hebben gehad, verder zetten.